Good morning, good afternoon, good evening, depends where you are. I'm Marcello Schiavisi, the director of UniMed, and I'm very pleased to be with you and to moderate, introduce this very important session of this webinar that is included in the UniMed Week in Brussels, but is a joint event among the International Association of Universities and UniMed. And before to introduce the speakers and also in 1 minute, just 1 minute, the reason why we organized this session, I'm very pleased to give the floor to the Secretary General of the International Association of Universities, my friend Didier Vallard. Please, Didier. Thank you, Marcello. I am very proud and pleased to be able to say the same. Friendship around the world is also what this is all about, no? About collaboration, working together, and build these friendships in a very proactive way. So to do so, we need to get to know each other better, to exchange on key topics as important as this one. And so I'm really very honored to see this webinar linked to two important series, not only the very important UniMed Week in Brussels, which is a very good opportunity to actually debate many different topics of importance to higher education and to link it to the global network, but also in the IAU webinar series on the future of higher education, which we launched when the pandemic started. And we have some 36 webinars along the way. Very pleased to touch on many different topics and this very important topic today, university autonomy for good governance. I would like to already thank the speakers who from Sao Paulo, from Morocco, from Tunisia, Thailand, to be with us today and to speak to this very important topic from so many different backgrounds. But the introduction will come from Marcello. What I will do very quickly is maybe a few points on why we decided to also partner on this very important topic of university autonomy. First, because it's a fundamental value that universities in many parts of the world do sign on to. But that's very nice. That's a piece of paper. That's something that you can say that in principle you abide to. And yet the understanding of what this value means for higher education or even the implementation is much more important. So how to move from words, from signing, to really making this a concept alive is also what we will have the opportunity to discuss today. Because this is an important topic that we need to put in practice to ensure a well-functioning governance. And that's also what we will discuss. Why is this so important for universities to thrive better? Autonomy allows universities to actually be much more agile, also a term that we use in this time of COVID quite a bit, but which has its meaning in this very context, because we need to react in a timely manner to changes. Universities need to be agile, they need to be flexible, they need to be able to pick up on the challenges and the opportunities, they need to be able to tailor to the needs of society at large. And that is why they need to be autonomous. And autonomy comes with responsibility. So it's not as if the university can just do whatever they wish. No, they know they have very huge responsibilities to societies, to every stakeholders coming to the institution and coming through it. So autonomy allows for a better functioning governance and more flexibility, more efficacy in terms of taking decisions and certainly also to implement them. And what is also very important is that it allows the institution to embark on long-term planning. If you cannot do that with a huge institution like a university that may be small in size or bigger, but its mandate, its vision and mission needs to be huge because it is to actually tailor to a transformation of our societies for a better world. And thus to have the opportunity to embark on long-term planning, you need to be independent from political interference. This again doesn't mean that we don't work with governments, that the universities are not part and parcel of any decision-making in the transformation landscape of a country.
but to really have the opportunity to also challenge the governments where sometimes it goes wrong, or to have these constructive debates as we will have them today. So we're very pleased to have rectors from the Mediterranean, from Latin America, from Asia, from Europe, and from Africa to join in. And we hope that many of you will ask the questions that need to be addressed in this important session today. So I pass the floor back on to you, Marcello, and I very much look forward to listening to the speakers and to engage into a very good conversation around the world. Thank you. Thank you, Eligia. Grazie mille for these very inspiring words, and also to explain it very well, the reason why we are working jointly, and in particular, the reason why UNIMED is very much interested to work with you, to work with the International Association of Universities on this issue. Let me say just very briefly that UNIMED in the last years worked very hard on this topic of governance, how to reform the governance, how to improve the university autonomy. We have, thanks to European Commission support, several projects dedicated on this, such as in Tunisia, ESAGOV and Digitac in Algeria, Inspire project in Iraq, but also Uprise project in Kurdistan region, again in Iraq, the Stirlab project related to students' participation in university life in Lebanon. And also in the past, we had another interesting project in Palestine. Just to give you an idea about the main interest about the governance, how to reform the governance of UNIMED in the Mediterranean region, and for sure, we are ready to open the door to other countries on this issue, like Morocco, of course, or Libya, which is a newcomer, but also Jordan and Egypt and so on. After many years of collaboration, we decided this year to join the International Association of Universities. This is a very important achievement for us. And the main idea now is to move from the regional dimension, the Mediterranean, the Southern Mediterranean region, to debate on this issue on a more global perspective. Because at the end of the day, the topic of governance touch all of us, independently where are from, independently by political situation, is something that is extremely important for all universities around the world. This is the reason why we decided jointly with the International Association of Universities to invite to this debate about university autonomy on different perspectives, of course, for leaders, because it's extremely important to involve the leaders in this discussion. Because talking again about the importance of autonomy, Eligia already mentioned several points, the fact that we need a university agile to move it. So in a so complicated world, in particular, looking at the impact of COVID-19 in our life, in our academic life, in particular, there is something that is extremely important for Southern Mediterranean universities, but I believe that this is also important in many other countries of the world. That is the topic of participation and accountability, which is one of the great challenges in education community in Southern Mediterranean, how to move from a top-down approach to an approach where it's possible to involve all the academic community in the political process of decision, and how to influence our politicians in the reform process. Because you know that this is, as Eligia said, we have to debate and we have to discuss with our government, but in a more effective way, and not only just answering to the mandate of our government. In a way, this is what we are trying to do through our community in the region. And I would like also that today, listening different perspectives from different countries, we will find some tips, suggestions, food for reflection, to launch a global initiative on university autonomy. I just introduce the speakers of today, and then we start with their presentation. We have with us Professor Valmore Tricoli from the University of São Paulo, Brazil.
Thanks, Professor Tricoli. Then we have Professor Mohamed Rashi, Rector, President of the University of Mohamed V of Rabat from Morocco. We have with us also Professor Joanna Gerib, the President of the University of Tunis Lamalouba. And we have with us also the Vice President for International Relations of Maidol University from Thailand, Ms. Noprano. I just pronounced Noprano as we agreed yesterday, the previous days. I give the floor to Professor Tricoli. You have 15 minutes for your speech. I will, 2 minutes before the end, I will remind you your limits, and thank you very much. Okay, good morning from Brazil, maybe good afternoon, good evening, depends where you are. First of all, I want to thank the IAU and UNIMED for the invitation and congratulate them for the organization of this webinar. I know that I have around 15 minutes. I hope I can use a little bit less than that because I think it is important for us to discuss about this extremely important topic. Unfortunately, right now in Brazil, the government, in particularly the federal government, is not good, is not doing a good job regarding respecting autonomy, at least in the federal universities. I will try to share my screen because I have a short presentation. I believe it is working, right? Okay, thank you. The idea of this presentation is to give you an overview of the University of São Paulo and also try to explain the history of university autonomy in Brazil, a little bit in Latin America and South America. I need to present some numbers about the universe so you can understand the importance of autonomy for us in the University of São Paulo. Right now we are the largest university in Brazil, the most important one. And I truly believe the reason for that is just because we really enjoy autonomy, full autonomy. Then I'm gonna give you, as I said, a brief overview of the University of São Paulo. The University of São Paulo is a public university. We are not national, not federal. We are a state university. Of course, the state of São Paulo. The state of São Paulo is the largest and the richest state in Brazil. We are just 3% of the Brazil area, but we have a lot of people living here in São Paulo. It's 21% of Brazil population. And the GDP is really high in São Paulo. That being said, we are multi-campus university. We are in 8 different cities, only in São Paulo state. We do have a research center in the Amazon, but it's not specifically a campus of the university. São Paulo is in the southeast of the country. As you can see in the big map of Brazil. And we were founded in 1934, which is kind of a pretty new university, a little bit more than 80, actually right now, 87 years. It's brand new university. At the beginning of the university, we have 6 professional schools, classical ones, medical school, engineering, law school, agricultural, the basic ones. Right now we are 48 schools and or institutes, depends on your point of view. We have a lot of museums, libraries, hospitals, and so on. And because of that, we are kind of a pretty large university. Right now we have almost 100,000 students at the undergraduate level, graduate level, and also continuing education. We have around 5,400 faculty members
13,000 non-faculty members or professional staff members. And this data is from 2019, just before the pandemic. We had almost 2.5 million participants in our cultural activities and continuing education courses. As I said, the university is really pretty large. Here we have three important points. The university is public. By the way, in Brazil, we have around 2,600 higher education institutions. Only 300 are public institutions from 2,600 institutions. And among the public ones, 69 are federal universities, some state universities, and also city universities, small colleges. But we are a public university, very, very comprehensive. It's I used to say that it is almost impossible not to find your field of knowledge or your field of research in the University of São Paulo. This is a very important point. It also is our productive. Actually, it's not our scientific production, but it is the scientific production of the higher education from São Paulo State. São Paulo, the state universities from São Paulo are responsible for around 35% of the Brazilian scientific output. And the University of São Paulo is responsible for 22% of all scientific output in Brazil. This is important because there was a huge increase in scientific output after the autonomy. And also, and you will understand what I'm saying about after the autonomy, right? And another important point here is we are a totally free university. There's no tuition, no fees whatsoever. Nobody needs to pay anything to study University of São Paulo. It doesn't matter if you are from São Paulo State. It doesn't matter also if you are a foreigner. You don't have to pay anything to study University of São Paulo. Now I'm going to give you a kind of a historical overview about the autonomy in governance in Brazil and in the state of São Paulo. Similar to other countries in Latin America, the autonomy is in the Brazilian constitution. We have seven, this is constitution number 7 in Brazil from 1988. In the article 207, it says that universities should have academic, scientific, financial, and administrative autonomy. This is truly real for the state universities, for the private universities, but it's not really true for the federal universities. The federal universities, they have scientific, academic, a little bit of administrative autonomy, but the financial autonomy, which is, in my point of view, truly important for the real autonomy, they do not have that. Of course, autonomy for the universities, as in the Brazilian constitution, does not mean total independence. We have some laws and regulations from the Ministry of Education. That's more than natural, which is another important point for our conversation today is the case of São Paulo State Universities. There's a decree, São Paulo State decree from 89, right after the constitution from 88, that create a unique, it's not only unique in Brazil, but it's unique in the world. Because you have this, we have this higher education system in São Paulo State, which give us total autonomy because we have financial independence. Before 89,
we used to go to the governor, you know, to the House of Representatives to ask for money, to try to divide the money with some other areas such as health and basic education and so on. And after 89, we have a fixed percentage of the VAT of the state. Actually, it is 9.57% of the VAT of the state. From this 9.57, the University of São Paulo receives 5.03%, which it is good money. Then we enjoy what I'm calling real or practical autonomy at different levels, organizational level, academic, which is really important, academic freedom, staffing. We can decide it about salaries, hiring, who's going to be the president or rector, who's going to be dean, and so on. And also, we have financial independence, which is truly important. And the result after 89 was truly a turning point for the University of São Paulo and the University in the State of São Paulo. The scientific production, theses and dissertations, number of departments, number of courses, number of students. We have more than 2,000, actually more than 2,500% increase in scientific production, more than 600% in the number of theses and dissertations. The autonomy, the true autonomy, was a blessing for the universities in the state of São Paulo. I cannot say that for, unfortunately, for the universities in Brazil, specifically the federal universities. Of course, there was a cost. Just during the presentation, Professor Hilge was telling us about to be more agile. I'm not so sure about that. What I mean is governance is good, you know, to be free to decide everything. But because of the size of the university and, I mean, the results of the autonomy, right now, bureaucracy and regulations are really a challenge for us. Of course, we are more agile than before autonomy. That's no question about it. But we will still have to deal with a lot of regulations, a lot of bureaucracy, just to have accountability. Is sustainability. I have to tell you, a couple of years ago, we have this really problem with our finances. And because of the autonomy, we could solve the problem. Then accountability is a big problem still. Of course, the autonomy gives us long-term planning. And also we have to have fiscal responsibility in. We understand that it is public money, then we have some responsibility with the society. Academic freedom is really good, but we have to try to work with stakeholders and also try to work with societal needs, society development, and so on. The pandemic is teaching us about that. Of course, it is, at least in Brazil, it's basically impossible to be truly autonomous if we don't have financial independence. And that's the case for the federal universities, despite the fact that autonomy, it is in the Brazilian constitution. The federal universities in Brazil do not have real autonomy. That's why it is kind of easier for the federal government to put pressure on the federal universities. Of course, autonomy doesn't mean sovereignty. We have control and regulations from the Ministry of Education, as I said. And finally, lastly, I know that it's weird to, I just wrote public versus public. The idea, what I'm trying to say is we are a public university. But we are not similar
in most cases, to public institutions. That's a big problem for the enemies of the autonomy, because they say, well, you are a public university, then you are supposed to follow all regulations from a public institution of the state. And that's not really the case for the universities. We are autonomous. We can decide whatever we want. Then public versus public sometimes is a big headache for the universities in Brazil. I guess it's more than I talk a lot. Thank you again. And I hope we can meet personally sometime soon after the pandemic. Thank you very much. Muito obrigado, Valmor. Very nice and interesting presentation. Also, to have this perspective from Brazil. You know this, that our acronym is very famous in your country, because UNIMED is something different in your country. I visited your country several times, and I'm very, very interested. You touched a very interesting point, and in particular in a moment where the decision at governmental level probably are against this such autonomy. I have also to underline that in this session we have participants from all around the world, which is quite interesting, because at the end of the day we are discussing similar problems with different perspectives. I'm very curious on the question to go more in detail about this concept of public versus public, because it's something that's very interesting, I think, that similar to other countries. Okay, now we move from Brazil. It's a very long trip from Brazil to Morocco. And I invite the president of Mohamed V University of Rabat, Professor Mohamed Rashid, to give us his presentation. Just a technical issues for our participants. If you want, Professor Rashid will do his presentation, I suppose, in French. If you want to listen the presentation, you want the translation, you can use the interpretation services. And again, if you would like to introduce yourself or the participant in the chat and say something, please feel free to use the chat. In the chat, we are now describing how to use the interpretation services. Dear Mohamed, the floor is yours. Merci. Merci tout le monde. Bonjour ou bonsoir. Et merci à l'UNIMED pour cette invitation et aussi pour ces échanges très, très intéressants. Avant de commencer, je ne vais pas trop m'attarder sur tout ce qui est chiffres par rapport au système universitaire, mais rapidement, si vous permettez, un survol rapide pour le système universitaire marocain. On est douze universités publiques et 5 universités privées plus 5 universités partenaires. Ça, c'est globalement au niveau du Maroc. Pour le système enseignement supérieur universitaire, on est à un peu plus d'1 million d'étudiants en général. Pour nous, bien sûr, au niveau de la première université moderne du Maroc, l'Université Mohamed V, pour avoir une idée, un ordre de grandeur, on est à peu près à 90 000 étudiants. On est présent sur 37 sites au niveau national, avec une offre de formation de 265 formations filières en formation initiale et presque autant en formation continue, avec 18 composantes, donc 18 établissements universitaires. Ça, c'est pour l'Université Mohamed V, avec bien sûr le premier producteur scientifique au niveau national. Ça, brièvement, mais en revenant directement à notre sujet, je rappellerai brièvement trois dates principales
qui touche le mode de gouvernance et statut de l'université marocaine. Il y a l'année 1957 qu'a connu le lancement de la première université du Maroc, université moderne, c'est l'université Mohamed V, comme je viens de dire. Bien sûr, auparavant, il y avait des établissements qui travaillaient, qui fonctionnaient soit en recherche, soit en formation, mais ça a été institutionnalisé qu'à partir de 1957. La deuxième date, c'est 1975, et la dernière, c'est 2000. Pour c'est des réformes qu'a connu le système universitaire en général. Pour la période de 57, de 1957 à 75, il y avait donc une seule université et toutes les décisions étaient centralisées au niveau du ministère de tutelle. Donc, le président du conseil d'université était bien sûr le ministre de l'époque et le président d'université était le vice-président du conseil de l'université. Ça, c'est pour la période 57 à 75. Pour la période 75 à 2000, on a vu, bien sûr, la présidence du conseil d'université qui est attribuée cette fois au recteur de l'université. Bien sûr, le pouvoir ordonnateur des dépenses était décentralisé au niveau des établissements universitaires, pas au niveau de l'université. Le recteur de l'université était ordonnateur uniquement des services communs de l'université. Ça, brièvement. Et l'année 2000, une année très, très importante, qui a connu, bien sûr, la promulgation de la loi 01-00. Ici, le président est devenu le président de l'université est devenu le président du conseil de l'université. Et il est l'ordonnateur et le chef d'établissement des sous-ordonnateurs après des délégations, bien sûr, du président. C'est sûr que cette histoire et l'historique, bien sûr, recteur, président, cet historique d'ordonnancement, cette décentralisation, cette responsabilisation éclatée a fait qu'on connaît maintenant une lenteur dans la transition université composante et université en termes d'unité. Ça, c'est très important. Cet historique, il influence énormément ce passage, cette transition vers une réelle autonomie de l'université et une vision assez unifiée. C'est des freins, c'est des contraintes qu'on est en train de gérer. Côté organisation, bien sûr, actuellement, on est un conseil d'université qui est assez, sa composition est assez spéciale. Il y a des universités, par exemple, la nôtre, on a un conseil d'université qui s'approche à la centaine de membres et je vous laisse imaginer la prise de décision et comment faire passer les choses. Il y a un conseil de gestion aussi qui s'occupe des aspects administratifs et financiers au niveau de l'université, plus des conseils d'établissement et des commissions au niveau décentralisé, au niveau des établissements universitaires. Ça, c'est au niveau de l'université et des composants. Et au niveau central, il y a bien sûr des organes, des instances. Il y a ce qu'on appelle la CNASES, c'est la Commission nationale de coordination de l'enseignement supérieur, qui donne son point de vue sur la création des établissements universitaires, qui donne son point de vue sur le lancement d'universités, qui donne son point de vue sur la validation des filières. Après, bien sûr, l'étude qui est menée par l'Agence nationale d'assurance qualité, l'AMIAC. On a une CPU, une conférence des présidents d'université, qui n'a pas encore le statut officiel, mais qui travaille d'une manière assez continue, avec un agenda, une programmation assez serrée, bien sûr, plus des conseils de coordination pour tout ce qui est université privée. Et bien sûr, la loi 0100 a apporté une nouveauté, à savoir le lancement, la mise en œuvre des commissions paritaires au niveau de l'université, les commissions paritaires, bien sûr, comme vous connaissez, pour juger quant à la promotion, bien sûr, et aux aspects disciplinaires. Par contre, auparavant, c'était uniquement au niveau des commissions scientifiques. Donc, c'est rapidement ce qu'a connu l'université durant ces décennies, mais dernièrement,
Bien dernièrement, cette année-là, on a vu bien sûr la validation et l'approbation de l'organigramme officiel de l'Université publique marocaine. L'Université publique marocaine a travaillé, a fonctionné depuis 1957, sans pour autant qu'elle ait un organigramme officiel. C'est plutôt des organigrammes fonctionnels par lesquels elle essaie de s'organiser, elle essaie de travailler. Donc, c'est une expérience nouvelle qu'on est en train de mener, qu'on vient de lancer pour nous au niveau de l'Université Mohamed V. C'est sûr, il faut le dire, que cette organisation officielle a été lancée en respectant un seul organigramme type, sachant que les universités sont des établissements publics qui ont la possibilité de négocier leur propre organisation officielle. Donc, c'est une contrainte supplémentaire qui est venue, bien sûr, mais on l'a acceptée parce que pour nous, c'est un pas vers une situation meilleure. Pour, bien sûr, la loi 0100 a amené énormément de prérogatives nouvelles. Une autonomie, oui, comme c'est écrit, administrative et financière, pédagogique et scientifique, mais il faut dire que sur le terrain, on n'est pas encore là. Énormément de contraintes, pas mal de freins, mais on avance, on essaie à chaque fois de pousser un petit peu pour qu'on puisse réellement apporter ce confort nécessaire pour une très bonne gouvernance et pour une gestion optimale de l'université, pour qu'il puisse répondre aux missions qui lui a été décernées à travers la loi, bien sûr. Je pense que dernièrement, avec la loi cadre qui vient de passer, c'est un pas stratégique énorme pour l'université marocaine. On ne va plus être tributaire des visions et des politiques des gouvernements qui arrivent au pouvoir, mais c'est une vision qui est là dans le temps, avec une vision de long terme, où bien sûr les différents gouvernements doivent s'insérer dans cette vision commune pour qu'ils puissent apporter leur savoir-faire en termes d'exécution, en termes d'application de pas mal d'articles de cette loi très, très importante et très intéressante qui prennent encore une fois cette autonomie d'université et donnent des outils pour pouvoir la mettre en œuvre. Ça, ce qui est important. Donc, pas mal de… un parcours assez riche, bien sûr, pas mal de contraintes, mais aussi des opportunités que l'université a saisies et qu'on continue de saisir. Mais permettez-moi de citer plutôt les freins et ce qu'on peut apporter maintenant. Comme vous pouvez le savoir, la loi cadre vient de passer. Il y a un projet de loi qui va reprendre la loi 0100 qui régit l'enseignement supérieur. Mais en parallèle, le Maroc a connu la validation d'un nouveau modèle de développement, comme vous le savez, et ce nouveau modèle de développement, c'est une commande royale qui a été validée et où, encore une fois, l'enseignement supérieur a été au centre des débats et où, encore une fois, cette nouvelle manière de faire qui touche la gouvernance dans un premier temps et d'une manière prioritaire, qui touche le volet capital humain, formation et tout ce qui est apport à la digitalisation. Donc, au moins trois chantiers très importants dans ce nouvel modèle de développement où les lois qui vont être, bien sûr, approuvées doivent s'insérer dans ce cadre du nouveau modèle de développement. Donc, pour tout ce qui est, je dirais, éléments qui contribuent à cette lenteur pour arriver à l'autonomie voulue, il faut dire officiellement, peut-être ce n'est pas déclaré, mais on est avec trois tutelles. Tutelle ministérielle. On est une tutelle, bien sûr, enseignement supérieur, mais qui touche surtout ce volet pédagogique. Ça, c'est central. Il y a la tutelle financière avec le ministère des Finances qui s'occupe de, bien sûr, tout ce qui est gestion financière et pas que ça, et budget. Et il y a une autre tutelle qui est, je dirais, emmasquée à travers le département d'enseignement supérieur, qui est le ministère, avant, on l'appelait ministère de la fonction publique pour tout ce qui est ressources humaines et statut des enseignants.
mais comme interlocuteur, plutôt, on est plutôt habitué à avoir comme interlocuteur l'ancien ministère de l'enseignement supérieur, mais en réalité, on est avec l'enseignement supérieur, avec le ministère des Finances et derrière avec la fonction publique, en personne ou bien en ministère interposé. La composition des conseils d'université, comme je viens de dire, pour les universités qui prennent du volume, c'est pléthorique. Et maintenant, nos universités commencent à avoir énormément d'établissements universitaires. Par exemple, pour Agadir, on est à au-delà d'une trentaine. Alors, je vous laisse imaginer un conseil d'université à plus de 150 membres. Alors, comment on pourrait effectivement prendre une décision? Alors, cette loi qui est en train d'être, bien sûr, discutée, prévoit un conseil de l'université et un conseil d'administration qui va résoudre cette problématique, il faut le dire. Le système de nomination des présidents et des chefs d'établissement, des doyens et directeurs, lui aussi revêt une particularité. Il y a une contradiction. D'une part, le président qui s'amène avec un projet de développement d'université, qui le fait passer en conseil d'université pour qu'il devienne un projet d'établissement. Et en même temps, les chefs d'établissement, chacun en ce qui le concerne, il est nommé à travers un projet de développement de l'établissement à des périodes différentes et qu'il va approuver au niveau du conseil d'établissement. Alors, comment harmoniser quand il faut que ces projets d'établissement suivent un projet, un cadre de l'université, mais il y a toujours ces difficultés à gérer et ce n'est pas toujours facile. Et je vous laisse imaginer le temps que ça peut prendre. L'organigramme type, j'en ai discuté. Bien sûr, la loi 0100 a apporté une nouveauté, c'est que l'université peut réellement avoir, récupérer, recouvrer des recettes propres, que ce soit en formation continue, que ce soit en expertise. Et ça, ça a permis de donner un nouveau souffle à l'université publique marocaine. Sûr, c'est une aubaine, mais tout ce qui est contrainte et de gestion financière, de réglementation qui vient avec, pose un problème. Nous, on parle de décision conjointe, encore une fois, entre le ministère d'enseignement supérieur et le ministère de Finances. Il y a pas mal de choses à améliorer. Il y a un volet positif, mais il y a d'autres volets à améliorer en termes de temps, en termes de taux aussi, et en termes de pas mal d'aspects qu'il va falloir, bien sûr, discuter encore une fois. Avant, on avait des comptes hors budget. Maintenant, on n'est plus dans cette configuration-là, mais on est réellement dans des comptes uniques au niveau de l'université, mais avec des paragraphes qui sont difficilement gérables. La validation des filières passe via la CNACES et via l'ANIAC, comme je viens de dire, mais il faut dire que le timing, que la prise de décision, que la communication n'est pas encore ce qu'on veut. Et la discussion est avec le département, bien sûr, de tutelle pour qu'on puisse trouver des canaux beaucoup plus efficaces, pour qu'on puisse être agile, être réactif, être proactif par rapport à ces aspects formation. La visibilité budgétaire, c'est un problème de taille. On travaillait année par année. Heureusement que maintenant, on vient de signer ce mois-là des budgets, des contrats pour des budgets triennaux, donc sur 3 ans. Donc, plus de visibilité, plus de projets, plus d'engagement. Et bien sûr, on peut convaincre d'une manière beaucoup plus correcte, cohérente et responsable. Le contrôle a priori, une expérience qui vient d'être lancée, c'est pour qu'on puisse dépasser le contrôle, bien sûr, des comptables publics, des ministères de finances a priori, pour que 2 ou 3 universités, dont l'Université Mohamed V, vont tenter cette expérience d'aller vers le contrôle a posteriori. Pas un recrutement des compétences comme on Allô, Monsieur Rachid, c'est mon problème. Laurence, je ne sais pas si. Voilà. Non, mais budget, you are mute. Sorry. Il y a un problème. Okay, it's good. Perfect. Yes, okay. Now yes, I can ask you to go to your conclusion, please. Okay.
Donc, comme je vous Oui, c'est bon? OK. Donc, rapidement, j'ai parlé de statut. Le nouveau modèle de développement, il va apporter énormément de choses, bien sûr. Pour tout ce qui est capital humain, j'avais dit digitalisation. La place que doit avoir, bien sûr, ce secteur d'enseignement supérieur, il est mis en exergue. Ça va permettre de pousser les politiques, de pousser, bien sûr, nos parlementaires à adopter et à approuver des lois et des règlements, des textes qui vont aider l'université, bien sûr, à aller de l'avant. On a un conseil supérieur d'éducation, de formation, recherche scientifique qui, bien sûr, donne son point de vue sur les politiques et les orientations globales. Et le rôle et les avis sont très, très importants pour évoluer. Donc, énormément d'expérience, énormément de vécu. On sent que dernièrement, on commence à réaliser certaines choses, heureusement, bien sûr, mais reste énormément de choses, surtout en termes, effectivement, de gouvernance, mais surtout en termes de gestion financière et gestion des ressources humaines. Donc, j'espère que je n'ai pas été trop long, mais que j'ai pu toucher certains aspects, mais surtout les aspects qui méritent d'être discutés, qui méritent d'être encore une fois résolus pour qu'on puisse aller de l'avant et bien sûr essayer de tirer l'avantage d'autres expériences comme celles qu'on a écoutées, qu'on a entendues. Merci, merci. Merci, Mohamed, Professor Rashi. Merci pour votre intervention. Thank you very much for your speech. And I think that there is for sure a lot, as you said, a lot to do with something. It's very interesting to listen and to understand the work that you are doing, the difficulties, the challenges. And I think that's also for UNIMED, it's important to support you, to support the Moroccan university system to improve and to help you in the way that we can do. Now we do a smaller trip. We move from Morocco to Tunisia. And I give the floor to the president of the University of Tunis, Lamanouba, which is one of our very active member, Professor Reina Gherib. Please, Reina. Merci, merci beaucoup. Je vous propose de rester sur le même canal parce que je vais parler en français, donc la traduction devrait être beaucoup plus facile. Et je vais tout de suite partager mon écran pour commencer la présentation. Attendez, en espérant que ça marche. Allez, plutôt. Voilà, ça marche là? Yes. Très bien. Bon, donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment très heureuse aujourd'hui de participer depuis Tunis à cette table ronde sur l'autonomie des universités. Et je remercie l'UNIMED et en même temps l'Association internationale des universités de m'y avoir associée. Je suis heureuse à double titre, d'abord en tant que présidente d'université, et là, les deux présentations qui m'ont précédée m'ont permis déjà de savoir qu'on partage pas mal de choses. Et donc, ce serait vraiment intéressant de comprendre qu'il y a des choses qui sont peut-être des problèmes universels et de voir s'il y a des solutions qui peuvent sortir de ce type de table ronde auquel je crois profondément. Donc, ma présentation va se faire en trois temps. Je vais essayer d'aller rapidement, vu le temps qui nous est imparti. Donc, je vais commencer par... Voilà, je vais commencer par une mise en contexte et ensuite un état des lieux de la gouvernance en Tunisie pour finir avec des recommandations. Dans la mise en contexte, je vais d'abord parler du système d'enseignement supérieur et de recherche scientifique en Tunisie brièvement pour vous expliquer un peu quel est le système. Ensuite, parler spécifiquement de l'autonomie des universités en Tunisie et arriver en dernier avec les propositions qui sont sorties d'un projet Sagesse qui a été piloté par l'UNIMED justement et dans lequel il y avait toutes les universités publiques tunisiennes et la cité tunisienne et la gouvernance. Est-ce que là, c'est bon? Yes. Là, vous me retrouvez? C'est bon? Oui, Mais on a eu une toute petite coupure de micro.
Deux micros, très bien. Bon, je vais commencer par vous présenter la Tunisie, parce que je sais qu'il y a des pays qui ne connaissent peut-être pas la Tunisie. C'est un pays qui est donc dans l'Afrique, à l'Afrique du Nord, à la pointe la plus au nord de l'Afrique. 163 000 km², hein, c'est le plus petit pays du Maghreb, avec un indice de développement humain de 0,740, qui la classe dans le 95e rang mondial, 6e en Afrique, avec une espérance de vie de 76 ans et demi et un taux d'alphabétisation de 82,3%. Je donne ces chiffres parce que c'est important pour comprendre le problème que je vais poser après. Donc, il y a 12 000 habitants, hein, beaucoup moins que Sao Paulo et bien des villes donc dans le monde occidental et même dans le monde africain. Mais le problème, c'est que le pays souffre d'un taux de chômage endémique qui est un taux de chômage de 15,5% total, et particulièrement les jeunes diplômés, donc 30% de taux de chômage des jeunes diplômés. Nous sommes donc en Tunisie face à un paradoxe, en fait. On voit d'un côté une population qui est hautement éduquée, donc on a vraiment beaucoup misé sur l'éducation en Tunisie depuis l'indépendance, mais d'un autre côté, un taux de chômage qui est élevé parmi cette population. Ce qui fait que les universités aujourd'hui, et plus globalement le système d'enseignement supérieur, est doublement pointé du doigt. Quelle est votre responsabilité dans tout ça? C'est la question qu'on nous pose souvent et on se la pose nous-mêmes. Donc, je vais essayer de vous expliquer la situation pour voir un peu ce qui a été fait jusque-là. La Tunisie a aujourd'hui 13 universités publiques. Je vais parler du système public parce que c'est lui qui nous intéresse, avec autour de 200 établissements. Et ça rappelle un peu le schéma qu'a donné mon collègue marocain. Donc, on a des universités qui sont venues chapeauter des établissements qui sont plus vieux en termes de… Donc, qui ont été créés beaucoup plus tôt que les universités. Le nombre d'enseignants est de 23 000, dont 12 000 enseignants-chercheurs. Et on a à peu près donc, plus de 500 structures de recherche et un budget national de près de 3,5% du budget total de l'État qui est donné à l'enseignement supérieur. Qu'est-ce qu'on a fait avec tout ça? Les performances du système d'enseignement, tunisien, il y a certaines performances. On est donc 65e sur 131, par exemple, dans le domaine, au niveau global et dans le Global Innovation Index, deuxième dans le monde arabe, troisième en Afrique, deuxième rang mondial pour l'indicateur diplômé en sciences et ingénierie, neuvième au niveau global pour les piliers éducation et dans le top 20 pour l'indicateur articles scientifiques et techniques sur PIB. On est également le premier pays dans la région MENA dans le pourcentage de femmes chercheurs, donc 55,4% de femmes dans la recherche. Et ces performances, et là, on va essayer de comprendre comment on y est arrivé et surtout pourquoi on n'arrive pas à aller plus loin. Là, c'est un peu l'historique de l'université tunisienne. On est passé par quatre temps en gros, donc l'indépendance en 1956, puis après une première réforme, la création de l'université publique moderne, donc en 1958-60, l'État a créé l'université pour l'État. Et la modernité a été une question centrale. Donc, c'est vraiment une question qu'on retrouvera pendant toute la durée de vie des universités, encore longtemps, j'espère. Puis, il y a eu une réforme également en 1989-1991 qui a donc situé, en tout cas, l'autonomie des universités et leur pluridisciplinarité. Et ensuite, en 2004-2008, une réforme plutôt exogène qui est venu avec le processus de Bologne et qui a fait en sorte que les universités sont allées vers le système LMD, il y a eu l'assurance qualité, la contractualisation et une loi en 2008. Puis après, il y a eu 2011. En 2011, comme certains le savent et j'espère tout le monde, il y a eu un changement politique en Tunisie et donc ce changement politique a Joanna s'est coupée à nouveau. A touché l'université également. Peut-être. Pardon, là, vous m'entendez oui, là peut-être il faudrait reprendre quand même 2011, c'est un moment tellement clé, juste reprendre là. Voilà. 2011 est un moment clé parce que, comme on sait, il y a eu une révolution, un changement de régime politique et en 2014, une constitution tunisienne et une nouvelle. Et dans cette constitution, les libertés académiques apparaissent dans la constitution.
Et après 2011, il y a eu vraiment un changement dans la gouvernance des universités. Donc aujourd'hui, on a la généralisation du principe des élections partout. Et moi-même, j'ai été élue en tant que présidente d'université et j'avais été élue en tant que vice-présidente déjà en 2011. Et donc, l'autre date clé, c'est 2015. Donc entre 2011 et 2015, il y a eu tout un plan de réforme. Et ce plan stratégique a été discuté en 2017 et il place la gouvernance comme axe prioritaire. Sauf que depuis 2015, on patine un peu et on a du mal à réellement mettre en œuvre cette réforme et on a du mal à avancer. Donc, le projet Sagesse, justement, qui a été piloté par l'UNIMED, était là pour nous essayer de comprendre un peu, faire un diagnostic, essayer de comprendre pourquoi ça ne marche pas. Parce que, comme on va voir, les premières réformes étaient des réformes qui venaient, qui venaient du pouvoir et ça n'a pas marché. La réforme de 2015 venait vraiment plutôt du terrain et on a du mal également à la mettre en œuvre. Donc, on a essayé de comprendre un peu ce qui ne marchait pas pour essayer de résoudre les problèmes. Donc, qu'en est-il de la gouvernance du système universitaire tunisien? Là, donc, ça, c'est le projet Sagesse. Le projet Sagesse nous montre deux choses. La première, c'est qu'il y a eu, depuis les années 2000, un changement de paradigme. On n'est plus dans l'université qui est là pour former uniquement à l'esprit critique. Il y a eu un changement de paradigme. Et dans les universités tunisiennes et pour certaines disciplines, on a encore du mal à l'accepter. Je ne suis pas là pour dire si c'est bon ou si c'est mauvais, hein, mais il y a eu un changement. On passe dans le New Public Management. Les universités sont devenues des sortes d'entreprises, si l'on veut, avec des boîtes à outils qu'on doit utiliser. Or, il y a beaucoup de résistance qui peut se comprendre, mais il y a un problème. Le premier, c'est qu'il y a un changement de paradigme qui n'a pas été assumé, qui n'a pas été communiqué, qui n'a pas été accepté. Et le deuxième, il y a eu une réforme donc, en 2018 et il y a depuis 2008, ça n'a pas été réellement mis en œuvre et même en 2015, ça n'a pas été mis en œuvre. On a essayé de comprendre pourquoi. D'abord, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un changement de paradigme et ça s'est passé partout dans le monde. On passe de la notion d'autonomie, l'université, quand on parle à certaines personnes, qu'est-ce que l'autonomie de l'université? Pour eux, c'est les libertés académiques, hein. Être autonome, ça signifie pouvoir choisir son sujet, pouvoir faire la recherche que l'on veut et être indépendant des pouvoirs politiques et religieux, avoir un budget qui nous permet d'avoir une autonomie et faire ce qu'on a l'habitude de faire. Eh bien, il y a eu un changement. Maintenant, l'université est considérée comme une entité managériale et elle est là pour être un remède à la problématique de la qualité et de l'employabilité des étudiants. Donc, on est responsable de l'output et on est supposé répondre aux besoins d'un marché. C'est un changement de paradigme. Donc, on s'est positionné dans le projet Sagesse, dans ce paradigme, sans nous poser la question, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon, on est dans ce paradigme, on y va. Et on a choisi le référentiel de l'Union des universités européennes pour essayer de comprendre où on en était en matière d'autonomie dans les universités. Ça, c'est le référentiel. Il y a l'autonomie académique, l'autonomie organisationnelle, l'autonomie financière et l'autonomie des ressources humaines, avec des indicateurs à chaque fois pour essayer de positionner les universités. Et on a essayé de voir où en était l'université tunisienne. L'autonomie académique, donc je vous laisse les lire, donc on n'a pas le temps, mais on pourra revenir là-dessus. Donc l'étude a montré cela. En termes d'autonomie académique, en Tunisie, les libertés académiques sont sacrées. Elles ont toujours été respectées, même du temps de Ben Ali, du temps où on avait vraiment un système vraiment complètement verrouillé. Les libertés académiques, l'université a toujours été là pour les... Et protégé et ça a continué à l'être. Donc, pardon, excusez-moi. Par contre, le choix des étudiants est centralisé au niveau du ministère. Donc, on a une orientation centralisée au niveau du ministère. Les étudiants en licence viennent directement d'un système national qui les dispatche sur les différents établissements dans les universités. Ça, c'est en termes d'autonomie académique. Ça, c'est un point. Donc, il y a les plus et les moins. Les plus, c'est positif. Les moins, c'est négatif. Ensuite, il y a l'autonomie organisationnelle.
Là, le principe des élections est généralisé à tous les niveaux en Tunisie. Donc, on a les élections des départements, les élections des conseils des établissements, des conseils des universités. Et le conseil des universités, qui est l'organe qui décide au niveau du ministère, est réellement composé d'élus. Donc, le principe des élections est généralisé, il n'y a pas de problème. Par contre, c'est ce que dit mon collègue marocain, on a des organigrammes qui sont unifiés. Une université qui a 1000 étudiants, une université qui en a 50 000, a le même organigramme. Donc, très, très difficile de bouger avec ça. Là où on a du mal, par contre, c'est dans l'autonomie financière et celle des ressources humaines. C'est là où le bas blesse, c'est là où on a des problèmes. L'autonomie des ressources humaines, bon, le recrutement des enseignants est toujours fait au niveau national, mais c'est quand même fait par les pairs. Donc, à la limite, on se dit il y a une sélection, mais elle est faite par le milieu académique. Mais le recrutement est centralisé pour tout le reste. Et on a encore un statut de fonctionnaire avec tous les inconvénients qu'il peut y avoir derrière. L'autonomie financière, on a des ressources propres par les inscriptions, les projets internationaux. On a la possibilité de lever des fonds, mais on a des difficultés énormes à les dépenser. Deuxième point positif, le ministère nous a gentiment donné la possibilité d'aménager nos infrastructures, notre immobilier, mais sans nous donner les moyens derrière. Donc, on se pose des questions, on a même envie de leur dire, même ça, reprenez-le tant qu'on ne peut pas recruter du monde. Et notre budget est rattaché au budget de l'État, on a une très faible génération de ressources et on a encore un contrôle a priori des ressources. Donc, on ne peut pas engager une dépense tant qu'on n'a pas encore le contrôle. Donc, ça, c'est l'autonomie des universités tunisiennes aujourd'hui. Sur le plan académique, sur le plan organisationnel, on a beaucoup d'avancées. Sur le plan des ressources humaines, beaucoup de choses à faire encore. Et sur le plan financier, c'est la catastrophe. Donc, l'autonomie des universités, c'est une réforme en suspens. Je reprends le même schéma pour vous dire que ce qui gêne dans cette histoire, c'est que de 1956 à 2028, c'était des réformes top-down. De 2011 à 2021, c'est une réforme bottom-up. Mais on n'arrive pas à avancer ni pour l'une ni pour l'autre. Donc, le problème est ailleurs. Et j'ai essayé de comprendre un peu pourquoi ça ne marchait pas, pour voir un peu qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. On n'arrive pas à le faire pour plusieurs raisons. Joanna. Que j'ai divisé en 6 blocs. Bon, je vais mettre... Pardon. Sur le plan des connaissances, tout le monde connaît la terminologie de l'assurance qualité. Le ranking fait que tout le monde parle le même langage. Donc, il y a des immunomorphismes qui ont énormément fonctionné. Mais quand on pose la question encore aujourd'hui à un étudiant ou à deux enseignants de disciplines différentes, on ne parle pas de la même chose. Ce que c'est que l'autonomie et ce qu'on peut et de quoi on a besoin, ce n'est pas du tout la même chose. Sur le plan organisationnel, jusque-là, on a les cellules qualité, des systèmes de gestion basés sur la performance, mais le grand hic, c'est le système d'information qui n'est pas encore efficace et c'est là qu'il faut énormément avancer. Sur le plan, je vais à l'affectif, tout le monde veut plus d'agilité, tout le monde veut l'autonomie, mais depuis 2011 jusqu'à maintenant, on a un problème de confiance et une crise de confiance entre les acteurs et notamment entre les syndicats et le ministère, les universités et le ministère. Donc, il y a un problème de confiance. Sur le plan juridique, dans le document, donc la loi 2008 nous donne déjà la possibilité d'être plus agile, mais personne n'a réussi à passer, sauf une université sur les 13, qui n'a pas d'étudiants. Et le deuxième, aujourd'hui, tout comme on a des universités et des établissements avec des responsabilités mal définies et limitées pour les deux. Sur le plan politique, on a une instabilité, on en est au 10e ministre en 10 ans. Je vous laisse imaginer ce que ça signifie que d'aller discuter avec un ministre et de le voir partir après quelques mois. L'avantage, c'est que les 10 ministres, et ça c'est une règle en Tunisie, sont tous des enseignants universitaires. Donc ils arrivent, ils connaissent déjà le système, mais ils ne restent pas assez longtemps pour construire malheureusement. Le dernier hic, c'est la situation économique du pays. On a une crise économique qui quand même dure depuis pas mal de temps. Donc, demander plus de ressources, encore faut-il les générer. Donc, on se bat encore et toujours en Tunisie sur le bénévolat. Les enseignants font beaucoup plus qu'on leur demande.
et ne calcule souvent pas, mais il y a quand même des limites. Donc, le bénévolat est une force aujourd'hui, mais je ne sais pas combien de temps encore. J'arrive donc aux recommandations. Donc, tout le monde veut une réforme, tout le monde veut plus d'autonomie, tout le monde sait où on en est, tout le monde sait où on va, mais on n'y arrive pas. Pour moi, le problème est d'abord culturel et humain. Il faut absolument qu'on arrive à résoudre ce problème-là. Le problème, comment aller plus loin? C'est les recommandations que nous avons mises dans le projet Sagesse, dans le cadre. Donc, se situer d'abord dans le New Public Management et se dire une fois pour toutes qu'on est dans ce modèle et qu'on ne peut plus revenir en arrière. Donc, il y a un changement à conduire. Tout cela nécessite un changement de mentalité. Et pour cela, tant qu'à faire, autant reprendre les outils de la gestion des entreprises en l'adaptant aux universités. Et pour cela, il y a toute une méthodologie pour conduire des changements. D'abord, il faut dégeler un freeze, change et refreeze. Il y a une démarche, il y a des démarches et il faut absolument faire en sorte qu'un changement culturel puisse être fait dans les universités pour pouvoir avancer. Je n'ai pas beaucoup de temps, donc les différentes étapes sont celles-là, celles qui ont été validées dans le projet Sagesse, qu'il faudra maintenant essayer de mettre en place. D'abord, montrer à tout le monde qu'il est urgent de changer, qu'il faut absolument qu'on arrive à réformer, parce que on est responsable du taux de chômage, peut-être, mais si on est responsable, comment agir si on n'est pas autonome? Donc, il faut aller vers l'autonomie. Et ça ne peut pas être pire que la situation dans laquelle on est. Donc, créer l'urgence, montrer qu'il faut y aller. Deuxièmement, il faut que quelqu'un soit porteur de ce projet. Et là, donc, les syndicats, les présidents d'université élus, la CPU, il faut constituer une coalition puissante pour que ce changement ait lieu. Et il faut se mettre d'accord sur le modèle qu'on veut choisir, qu'on se mette d'accord sur le modèle. Aujourd'hui, nous avons des établissements, des universités, un ministère. Il faut qu'un seul modèle soit choisi et accepté. Ensuite, il faut communiquer cette vision, faire agir, générer des victoires à court terme. Il faut tout de suite changer des choses pour que les gens embarquent et ensuite passer à l'étape de la recongélation de tout ça. Le projet Sagesse nous a montré que nous sommes à deux doigts du changement. Ce qu'il faut maintenant, c'est assumer des choses, c'est qu'il faut mobiliser et comprendre que les différents freins sont probablement des freins culturels et des freins humains. Donc, il faut se mettre autour d'une table. La Tunisie a toujours su le faire. Il faut avancer dans ce sens et se dire que pour avancer, eh ben, il faut que tout le monde comprenne qu'on n'a pas le choix. Il faut que tout le monde se mette d'accord sur là où on veut aller et que mettre les moyens pour y aller. Voilà, donc ça, c'est les différentes actions que nous avions décidées. Et je pense qu'en écoutant les autres universités, nous avons tous les mêmes problèmes, nous savons tous où nous devons aller, nous devons nous construire nos chemins, chacun avec sa culture et avec ses ressources, avec ses atouts et évidemment avec ses faiblesses. Ce n'est pas la panacée, l'autonomie, il faut y avancer, mais il faut avoir les moyens de la mettre en œuvre et il faut bien entendu que ceci corresponde à une vision partagée de là où on veut aller, jusqu'à quel degré d'autonomie nous voulons aller. Voilà, je vous remercie et je serai là pour vos questions. Thank you. Merci, Joanna. Thank you very much for your very passionate presentation, as usual. And thanks also for mentioning several times the work that we did together during Sagesse Project Life. And you said very well that autonomy is not the panacea of all our activity, all the solution of this, but I can't imagine the future of universities without autonomy. In any case, this is something that we have to consider. Now we do another very long trip. We move from Tunisia to Thailand, and I'm very pleased to give the floor to Ms. Nopreanu, which is the Vice President for International Relations and Corporate Communication of Maidong University, Thailand. Please, Nopreanu, the floor is yours. Okay, thank you, Marcello. Can you all hear me well? Okay, thank you so much. So good morning, good afternoon. It's evening here in Bangkok. I'd like to start with this definition because I'm sort of like this definition because it conveys layers of messages about the degree
that government is willing to relinquish control or authority to higher education institutions. And also, on the other hand, it talks about the ability of higher education institutions to be able to manage its own business. So my point is, it's not really a discussion about philosophical concept of autonomy, but actually my interest, and I think when you're a university administrator, you have to think about the management side of the autonomy when you talk about whether or not you will go out as autonomous university. So I'd like to start with this definition. So, and like other presenters before me, I think we share a lot of similarities in terms of the dimensions of autonomy when we talk about what kind of management aspects of autonomy that a university, when they go out as an autonomous university, we have to think about. So definitely institutional freedom, staff management, financial management, and in the case of Thailand, we also discuss about quality assurance as well. Just to give you a short background of Thai higher education, Thai higher education systems. Overall, in terms of numbers of higher education institutions within the country, I think it's important to highlight this diversity of higher education structures. And you will see from here that overall we have around 170 or 180, depending on how you count it, overall higher education institutions within the country. And from there you see we have autonomous universities around 26 out of 170. We do have a lot of public university, community colleges, and also private universities. So as a result of the reform of higher education in 1999, higher education institutions in Thailand were encouraged from the government to be autonomous. Definitely the message has always been clear from 2006 that public university, please be autonomous. But as you can see from there, 2006 until now, we have gone through to be autonomous university for around 26 out of 170. Well, my university was of the first 10 university going out as autonomous university. So basically we have higher education institutions in Thailand, we do have choices, whether we would like to go autonomous or we would like to be still under the government. So if we look into the first aspect of autonomy, as I mentioned earlier, in terms of the institutional freedom, I would say that with our own law, because autonomous university in Thailand, we have to have our own law. It is promulgated by the national government, so we can run our business legally using our own law. And under this law, an autonomous university can select any autonomous university can select its own leadership post. And this one is not quite unique because it doesn't matter if you are public university or autonomous university, you can actually have your own selection process of leadership. So the government will not be intervening in any way. You can set your own academic pathway with only a minimum guideline provided by the ministry, just to make sure that the minimum criteria are met. And definitely for the policy direction of the university, definitely there is no intervention from the government whatsoever. Definitely as a leader in the leadership of the university can actually set up their own policy directions in almost every way, research, academic services, or education. Some guidelines are still there. Like I said earlier that, we still follow the national guidelines in terms of qualifications framework. The university also have to pay attention to the national government's research direction, especially in these past few years. The university will still rely on some of the research block grant from the government, but it's not that much to the point that we feel that we are pressured by the government to do what
the government wants. So I would say that there are some areas that we have to take heed of what the government has to say, like the qualifications frameworks and some financial regulations, just to make sure that we don't go to jail. So sometimes we consult Ministry of Finance in terms of the use of the money, the use of finance allocations, that sort of things. And for the staff management, I think this is the area where it affected autonomous universities and government officials a lot, because in 2006, when we started to have the autonomous university movement, that we have to that we had to reconsider whether we would like to go for autonomous university or not. Under our own law, autonomous university staff in the autonomous university, we have to change our status from government officials to university employees, and that has been a big deal. And I think many universities are reluctant. Many university staff are reluctant to get out of the position of government officials, because there are a lot of fringe benefits coming out of being government officials. The only plus side from changing your status from government officials to university employees is the salary scale, which is like 3 times more or 4 times more in some universities. So that is kind of a trade-off. So this is one thing that I think affected autonomous universities most, and affected university staff most in terms of the consideration whether we would like to go out as autonomous universities. In terms of the career path, like I said earlier, that we don't really have problems whether or not your autonomous university or public universities, because we have internal process of academic position systems. We do have external readers, we do have external validation, but basically the process is internally done. We have full academic freedom, curriculum development, student enrollments, how we are going to define strategic partnership, the government wouldn't really intervene in any way about how we are going to manage our education, research, and other businesses. And this also applies to other public universities as well. So there is not much of a discrepancy between being autonomous university or still public university. So there is not much of an incentive. It's kind of a challenge, I would say, for those who ventured on the road of being autonomous. You have to make sure that you can make ends meet. You have to rely on the majority of your income, self-generating revenue. So it's quite risky for some university. In terms of financial management, like I said earlier, that we kind of consult the regulations guided by the Ministry of Finance. We do have liberty and freedom to set our own salary structures, but in terms of the use the use of public fund or the use of our own fund, even sometimes we still rely on some regulations by the Ministry of Finance. The check and balance in terms of management, I think it has shifted towards the use of the University Council to be check and balance body of the executive side of the university management. So we can see that in terms of mechanism being stronger and stronger using the arms of the University Council, which comprises of deans, representatives from Faculty Senate, outside stakeholders. So I think that is one kind of accountability that comes with being autonomous. Well, I said earlier that we are quite, we have a lot of freedom in terms of setting up our own tuition fees, academic service fees, salary and compensation, so on and so forth. Sorry, I cannot move. Why can't I move my PowerPoint?
Okay. So the last one, I think what matters a lot in the discussions about autonomy in the country is about quality assurance, because we think that it doesn't come automatically. It doesn't mean that being autonomous and quality comes automatically with having more freedom. So at the university level, we can choose whether we would have internal QA assessments. For example, many Thai universities sign up for the ASEAN University Network Quality Assurance internal assessments and also international assessments. And the only thing that the government posts on us is every 5 years, we have to be assessed by the ministry, the arms of the ministry in terms of external assessment. And we do have choices as well at the university level to be assessed by other professional assessments, because quality assurance is one thing that both the national government and also institution, higher education institutions in Thailand would seek for. So a lot of professional bodies offering accreditations like AACSB in business, MUSIC in music, ABET in engineering, lots of universities are acquiring those kind of accreditation. And my key message here about autonomy is that, like I said earlier in the presentation, that it has to be both way, both the national government and also the institutional level. So sometimes I think what's happening in Thailand is the way we walk and work together with the government. The government themselves have changed from time to time in terms of setting up the overarching framework in terms of the national policies where they would like the economies and the society to go forward. So sometimes they set up the agendas. For example, lifelong learning, about intersectoral collaboration with the industries. So it comes or it is attached with the sometimes research block grants, like I said earlier, or sometimes with some kind of special incentives. But that is to it. It doesn't interfere with the internal management, just the overall framework of where the country is going. So sometimes they have targeted areas, like they're mentioning about the S-curves, the new S-curves, where they would like to go, but it's not really a must. Among 170 higher education institutions, they are not forcing everyone to follow suit. But if you want a big money, a big block grant, yes, definitely you have to, well, focus more on AI rather than any other areas, because that is what the government is focusing on right now. That is just an example. So in terms of management and implementation, I think it goes both ways. The national government has to adjust a lot too. They have to make sure that by letting us having autonomy, it doesn't mean that we can go in any direction and that would disrupt the economies or the social development. So this is the example of the latest invention, national policy invention in terms of the overarching framework. They are calling it reinventing universities. It's kind of a subsidies and grants for the university to choose which way we would like to improve ourselves, like which way we think we can have a great leap forward. They're not forcing us, they let us to think for ourselves. It doesn't matter if you're autonomous university or public universities or community college, you can take part in this program. So this is just the example of how the university encourages us to work with them. And for us, definitely, I think being autonomous university, we have to rethink about how we are going to improve our administrative process, how we are going to invest in human resources, because while you can set up your own salary, it doesn't mean you can retain talent. So investment in terms of talent mobilities is one thing that we have to think about. How we are going to use universities as
basis for technology development, because the agenda has changed a lot. Being the autonomous university, you have more incentives to improve the university and to set up new directions for the government. What kind of international collaboration or internationalization we are hoping to move forward? So these are the things that we have to think about too. So my last two slides is that I think there are lessons learned at the national level as well, that when they would like to promote autonomy or autonomous university within higher education sector, they have to make sure that their umbrella policy framework is accompanying what they allow us to do. Or it means that they have to be working with us and walking alongside us. So I think the combination of policy at the national level and the institutional level is really necessary. Suitable higher education structure. I would say that, like I said, that diversity is also the key, and one size doesn't fit all. It means that not everyone is ready to be autonomous, because it means that once they get the autonomy, they have to be able to rely on themselves mostly. The university will need some kind of facilitation from the government. We are not working in a vacuum. We are working within the context of the country. So I think the guidelines, some processes, some facilitation process needs to be accommodated by the government. And lastly, the lesson learned at the institutional level, we do have to, like I said, we have to adjust a lot in terms of that. Those four, we can look at those four dimensions as baselines. That is okay to use those four dimensions. We have to think about cascading freedom to the implementers within the universities as well, meaning that we have to give more freedoms to our faculties, colleges, and institutes within the universities as well. I think this kind of mentalities and this kind of attitude has to be trickled down. It is like a trickle down effect. And again, partnership and engagement, because we are free to choose, we really have to really think about who would be the partnership, the true partnership and true engagement targets, because we don't have the government to tell us who we should be working with. So we have to really be focused on this direction as well. So those are my takes on autonomy and the experience from Thailand. Thank you. Thank you, Nofrano. Let me try to thank you in your language, Kakakun, if I may, if I'm not so bad in my pronunciation. And I learned that, as we said from the beginning, there are a lot of points in common discussing about university autonomy with the other colleagues. I was thinking to ask you to join UNIMED network. Of course, you are out of our region, but in any case, I think that it could be quite interesting to launch jointly with the International Association of Universities a global movement on debating about ourselves. We are in a small delay, I have to say, but I think that we can use some more time for questions. I leave now Irige to manage the question answer session. I saw that there were very interesting questions, but please, Irige, and then I come back with you for the conclusion. Thank you very much. Yes, I hope that some of you can stay on, and especially the speakers. I know that you have already given us 1.5 hours, which is very considerable. But if you could stay with us just a little for to engage also in this Q&A, that would be really nice. There are a few questions indeed. So thank you very much for these excellent presentations. People have asked if the presentations will be made available. Yes, the recording will be made available, and so will the presentations themselves. And we will look with Marcello if we can also draw some conclusions or some points, and not conclusions from the presentations.
Indeed, there have been discussions around topics that are similar yet with local implications, and very interesting to hear how things connect yet diverge at the same time. There's an interesting question in the chat about this divide between the public and the private, and Aref Al-Soufi is asking, we used to believe that private universities are more autonomous than public ones. I guess that's what he wanted to say. Is this divide still valid, given that even private universities could be subject to different kinds of pressures and interventions? And after giving the floor to the speakers, I think I would also like to add something from the point of view of IAU, where we have an advocacy point very specific on this topic. So maybe I could give the floor to you, Valmore Tricoli. Yes, specifically in Brazil, private universities depends on the concept sometimes of the private universities. Unfortunately, in Brazil, there's this huge gap between performance for private universities and public. Public universities are on average they have higher quality than private universities, but private universities in Brazil are truly autonomous. They can decide course content, number of courses, number of students, number of campus, number of buildings, everything. They can decide everything. It's kind of a big company, like a big business, because of course, profit, it is a major concern. And I have to say that quality of education is also a major concern, but profit, it is necessary to survive as a private university in Brazil. And then my question to you would be immediately, is that freedom? Because then are you not subject to the different winds that blow from the business sector, who decide on what you should teach, what research to do on, for how long? They can unplug if you don't do what is required. Is there not also a tying of the hands when totally in a private domain, and then also with a profit sign on top of your operations? I don't think so, not at all. For the private universities, they are always paying attention to the big market, because if they need to attract more students in order to survive, they have to offer something, some courses, some knowledge that is really applicable or applicable, of course, sorry, applicable to the market, there's no pressure from companies or something like that, not at least not up to now in Brazil. Okay, thank you. Would Nopre Anu maybe wish to also address this issue and Joanna and all the speakers, because I think this link and this tension between what we call autonomy and finances or financial autonomy, these are very important topics. So maybe I can give you the floor, Nopre Anu. Yeah, well, my first reaction to this question is that in Thailand, public university and private university, we're kind of a different, like apple and oranges, we do have different missions. There is one area that I would say that public universities and including autonomous universities as well, we have to rethink about our strategies in terms of the pressure in getting more student enrollment. Because for a private university, they are very focused on the target and they have specific demography of students getting into private university. There are more advantages than universities like me, where we have to serve the public as well. And we have to serve a larger demography of students, especially if you are a comprehensive university like my university. So I think it's kind of a pressure in a way, being autonomous, and we have to compete with private university in terms of getting more enrollment. That is one thing, because the government won't intervene in helping us on that.
The second thing, I think, what has been a factor closing the gap in terms of being autonomous universities and private universities is the one that I mentioned earlier about the national government's policy of reinventing universities, because it's open, it is open for all. It means that we are now in the same, track. We are in the same race now, because private university can also apply for the reinventing university grants. I think the gap has been narrowed in terms of quality, in terms of the expectation from the government and the public on private university. Because previously we would think that private university, they are for profit. They are focusing on some small areas, not like public universities or autonomous university. But now I think the gap has been narrowed. Thank you. Maybe Joanna Gherib, can I give you the floor? And then definitely also Mohamed Rafi. Yes. Can I speak in French? Is there a translation? Oui, tout à fait, pas de problème. Écoutez, en Tunisie, c'est l'université publique qui historiquement a formé toute l'élite et a formé les cadres, et donc aussi bien donc symboliquement que matériellement, les personnes, enfin les parents mettaient leurs enfants dans l'université publique. Mais une seconde. Aujourd'hui, nous avons 74 établissements privés par rapport à 203 établissements publics. Donc, le nombre est en train d'augmenter et il y a des choses qui sont en train de changer. Il y a certains établissements qui sont privés et qui sont devenus assez attractifs parce qu'ils se basent sur le fait que l'orientation au niveau des établissements se fait par les scores obtenus au niveau du baccalauréat, qui est un baccalauréat national. Et donc, il y a des élèves qui peuvent ne pas avoir ce qu'ils veulent parce qu'ils n'ont pas réussi l'examen du baccalauréat comme ils le souhaiteraient. Donc, ils commencent à leur offrir à cette population-là certains diplômes qu'ils ne peuvent pas avoir dans l'université publique. Donc, au début, l'université privée a vu le jour parce que pour accueillir des personnes qui ne pouvaient pas être acceptées dans l'université publique parce qu'ils n'avaient pas les moyens nécessaires, n'avaient pas la qualité nécessaire. Mais on observe honnêtement ces dernières années, certaines universités privées, ce n'est pas la majorité, mais quelques-uns, ont réussi à mettre en place des stratégies pour attirer certains bons élèves qui n'ont pas pu avoir ce qu'ils veulent à l'université publique. Donc, les choses sont en train de changer doucement. Mais le secteur privé est contrôlé par l'État, par contre. Donc, ils sont contrôlés par le ministère de l'enseignement supérieur. Et donc, il y a toute une direction pour l'enseignement privé. Et les diplômes sont validés par une instance nationale, aussi bien pour les diplômes du privé que du public. Donc, il y a un petit contrôle. Donc, il y a un contrôle. Historiquement et encore aujourd'hui, c'est l'université publique qui a donc la réputation, la qualité et les moyens pour former les jeunes aujourd'hui. Mais il y a quand même des universités privées qui sont en train de se développer petit à petit parce qu'elles sont plus agiles et parce qu'elles ont plus de moyens financiers. Mais elles sont contrôlées par l'État. D'accord, merci beaucoup. Je vais passer la parole au recteur Mohamed Rachid maintenant. Et je vais tout de suite quand même la lier à l'autre question qui est très importante, qui nous est posée par Lotfi Ben Homs, qui demande « When talking about governance in the universities, we should talk about strategy at the national level. These two facts are not independent. The LMD system, licence, master, doctorat, is an illustrative example in Tunisia. And so maybe, peut-être que vous pouvez lier ces deux questions, les questions d'autonomie, les questions aussi de stratégie et de stratégie par rapport à des défis et des responsabilités au niveau sociétal, au niveau de la société. And so I will switch to English as well. I'm always a bit hesitating between languages there, but I think it's important to also ask the question in English. It's
when we talk autonomy and when we talk mission of higher education, what do we do it for? And so when we listen to the very important presentation by Dr. Gerip, she really pointed to the fact that universities did educate many people and that there is a highly educated population in Tunisia, yet a very high unemployed group and segment of society not finding their way into society and thus creating a society that becomes very insecure because people don't know what to do, where to go, and how to contribute to society as educated people who could then transform the world in which they live. So this role and this function, this responsibility of the university in a context of autonomy, how does that balance out with responsibility as well? So peut-être que vous pourriez commencer par là, Dr. Rachid. Oui. On donc, ne vous entend pas. Oui. Oui, si vous permettez rapidement pour le système privé ou bien les établissements privés, si vous permettez, bon, pour le Maroc, effectivement, comme j'avais dit tout à l'heure, on a à peu près 10 universités entre privées, complètement privées, et ce qu'on appelle nous des universités partenaires qui sont plutôt ou bien qui s'occupent de tout ce qui est spécialité assez pointue et qui a un lien direct avec la vie de l'humain, entre autres la médecine, par exemple, et la médecine dentaire, ou bien d'autres types d'universités partenaires ou bien à gestion spécifique comme l'université Khawen avec une gestion à l'américaine ou bien l'université Euromed avec une gestion privée mais à fonds publics. Pour les établissements, on a bien sûr les établissements publics au-delà de 150, mais pour le privé, on en a énormément. Au début, pour l'accréditation, l'autorisation, il y a la main pour l'université publique, que ce soit en termes d'infrastructure et validation des infrastructures, aussi en termes de validation des cursus. Il y a même des comités qui se déplacent pour voir la véracité, entre autres, et la faisabilité du projet. Mais une fois que c'est lancé, il faut dire que ce suivi, ces audits sont plutôt laissés à la discrétion du ministère qui s'organise comme il peut avec les universités pour faire un suivi. Mais énormément de choses restent à faire pour pouvoir réellement garantir une qualité et un service rendu à l'image des attentes. Il faut le dire, cette question revient à chaque fois. On la pose, elle est posée énormément pour essayer de trouver des moyens, des outils pour pouvoir suivre la qualité, ce que se fait au privé, parce que effectivement le niveau et la qualité du public restent élevés par rapport au privé. Néanmoins, pour tout ce qui est gestion, bien sûr, si on parle au privé, c'est des effectifs assez réduits. C'est une charge, qu'on le veuille ou pas, plus réduite de travail par rapport au public. Donc, un mode assez agile, assez flexible et assez performant, il faut le dire. Mais il y a pas, on ne peut pas comparer deux choses, pour moi, qui sont incomparables jusqu'à présent. Mais il faut booster, il faut trouver les textes et les règlements pour l'université publique pour qu'ils puissent effectivement répondre aux besoins et aux attentes d'une manière beaucoup plus adéquate. Ça pour ce volet-là, le volet privé. Une particularité, je ne sais pas si c'est chez les autres collègues est lié, c'est que les présidents d'universités publiques sont eux, du moins jusqu'à présent, qui signent les diplômes, qui co-signent les diplômes des universités privées. Donc, même si l'université privée, elle forme, elle suit, sans pour autant qu'il y ait un système de suivi par l'université publique, la loi donne, je dirais même ordonne, au président d'université publique de co-signer le diplôme pour qu'il puisse avoir ce volet réglementaire et ses conditions de reconnaissance. C'est une chose qu'on discute aussi. C'est pas encore acquis. On espère que la loi qui va venir, la nouvelle loi qui rentre dans la loi cadre,
peut bien sûr lever cette situation qui n'est pas du tout normale. Ça, c'est pour l'aspect effectivement privé, tout ce qui est accréditation. Ça dépend de l'ANIAC pour nous, l'Agence nationale d'accréditation, mais il faut dire que c'est une phase intermédiaire transitoire parce que l'idéal et ce qu'on cible, c'est que cette agence soit complètement autonome, je dirais même indépendante. Jusqu'à présent, on n'est pas encore là, mais c'est l'objectif qui est ciblé pour qu'on puisse réellement parler de qualité, parler de niveau, avec une neutralité et une rigueur universitaire assez intéressante. Ça, sur cet aspect. Pour l'autre question, je me rappelle pas exactement, ça touche la stratégie au niveau national, si vous pouvez me la faire rappeler. Oui, très rapidement, parce qu'on a bien dépassé le cadre temporel de ce webinaire, et donc je pense qu'on est en train de perdre aussi des spectateurs, mais ce n'est pas grave. D'accord. C'est un point très important. La question était vraiment, quel est ce rapprochement entre en fait, la stratégie de l'université, la stratégie nationale, et en quoi l'autonomie universitaire permet de mieux répondre aux défis qui sont ceux de nos sociétés et d'œuvrer de manière à ce que les universités deviennent ces entités qui permettent de générer le savoir nécessaire pour créer de meilleures sociétés. En gros, c'est ça. C'est une petite question, mais qui est très grande. Donc, rapidement, peut-être que je n'ai pas touché tous les aspects à cette question, mais rapidement, deux aspects. Le premier aspect, c'est en montant les projets de développement des universités. Les candidats présidents, bien sûr, ont des références. Parmi les références, c'est les stratégies nationales, c'est bien sûr les orientations, c'est les programmes stratégiques au niveau national. Il faut que le projet de développement s'insère nationalement et régionalement avec ces projets, donc, que ce soit en termes d'indicateurs, que ce soit en termes d'objectifs et que ce soit en termes de contributions. Ça, dans un volet. Le deuxième volet, c'est que la composition aussi des organes délibérants, entre autres, le conseil de l'université a parmi ses membres des membres qui représentent le secteur socio-économique, que ce soit au niveau national ou au niveau régional, pour qu'ils puissent apporter leur vision, apporter leur contribution, apporter la position de ce secteur-là et donner les colorations, donner les orientations, essayer de pousser les conseils vers des décisions qui aillent dans ce sens, que ce soit en termes de formation, que ce soit en termes de production scientifique, que ce soit en termes culturels, que ce soit en termes d'accompagnement, bien sûr, des régions. Tout ça, c'est des contributions des collègues de droit, que ce soit des membres de droit ou bien que ce soit des membres élus ou choisis par le patronat ou bien choisis par la profession. Rapidement, je dirais ces deux aspects-là. Merci. Oui, oui, oui. Il y a beaucoup plus à discuter. Marcello, je te repasse le bâton. I think we can conclude without concluding because there is so much more that we would have loved to discuss, but back to you. Thank you very much, Lydia. Thank you very much to all the speakers and to all the participants. As we know, there is surely room for reflection and for improvement. Globally, not only in Southern Mediterranean region and in other universities, but globally. And I think that we, as Aline said, we have to join our forces because I agree with the idea that some responsibility is in the hands of our government. But we can't just wait, we have also to act. Otherwise, we are not able to improve our quality and our role in the society. And thank you very much again for this very interesting session. We will continue to organize a similar debate, but also to write joint proposal with the International Association of Universities and with our partners in the region, but also in the other countries that are interested to work with us. And why not to debate with our European Commission and other players around the world to launch a global initiative on how to reinforce autonomy
academic freedom, which is another important point. In a moment, in a historical moment, so critical than the current one. And UNIMED for sure will be jointly with you at your disposal. And thank you to all the participants for their patience, and because we are all the way. Thank you to the speakers, and thank you Irige and all the colleagues of the International Association of Universities, and also to my colleague in UNIMED. And also let me thank also the interpreter, Claudia Marchetti, for, I imagine, this very difficult work in such condition. Grazie, Claudia, for your passion and for your cooperation. And let's keep in touch for future activity. The UNIMED Week in Brussels will continue until the end of the month. Every day we will have a session. Tomorrow we will have two sessions with the European Commission, in particular to talk about the future of international cooperation of Erasmus Plus program in the morning. In the afternoon, we will talk about the Marie Skłodowska-Curie Action, which is a mobility program for researchers in the Euro-Mediterranean region, but not only. Muito obrigado, Valmor. Capano, un premio. Thank you very much. Shukran. Merci. Grazie mille. And see you hopefully soon in person. In person. Inshallah, in person. Bye. Thank you very much Marcello, and good luck with the next sessions. Thank you to all the speakers. Wonderful. Thank you very much. I'll see you.